Et bonjour, me revoilà de retour. Je fais une petite vidéo rapide comme ça. Alors, juste pour ceux, enfin, si vous pouvez lire l'anglais, je vous invite à aller sur mon compte Twitter parce que ce matin j'ai retweeté des textes. Et en gros, c'est plusieurs, je crois qu'il y a quatre tweets. Et il y en a un où j'ai mis un commentaire, c'est marqué pour ceux qui. Pour ceux qui comprennent un truc dangereux là. Non, pour ceux qui ont du mal à comprendre. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis dans le commentaire. Je vous invite à aller. En gros, tout le plan des poteaux, il est exposé. Et c'est du cash là, c'est du hardcore. Tout est exposé. Alors, toujours au-dessus de ma tête, énormément d'avions. Gros avions, gros porteurs. C'est pas du commercial. Alors, il semblerait qu'en Californie, le port au niveau du côté de Oakland, apparemment. Ils sont à nouveau en train de décharger des conteneurs. Donc c'est bon. Possible fin de pénurie de ce côté-là. Après, toujours silence radio sur le président directeur général du laboratoire qui commence avec un P. De même, on ne parle pas du journal intime. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'il sort. Il y a quelques mois de ça, il était déjà sorti. Bien avant les élections, il était déjà sorti, mais personne. C'est des silences radio, du journal intime de la fille à bidon. Et puis quoi d'autre dont tout le monde devrait parler, mais personne ne parle. L'histoire de la Russie, 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 donc l'Ukrainien là. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Faut dire que là, ça range pas les poteaux. Bon, et en plus de ça, il semblerait que le gouverneur de New York ne serait plus. Et surtout, le gouverneur de Californie, qui apparemment s'est fait injecter pour la troisième fois, apparemment, lui, il souffrait de la maladie Guillain-Barré, carrément. Carrément. Voilà. Et apparemment, la maison, elle aurait été raidée par l'armée. Puis là, maintenant, il serait dans prison, hôpital prison militaire, je pense. C'est comme ça ce que je suis déduit. Donc c'est assez intéressant, mais personne n'en parle, personne n'en parle. Tout le monde dit, mais comment ça se fait que ça fait depuis le 27 octobre, personne n'a vu? Pourquoi j'insiste? Parce que là, c'est un front, la Californie, c'est un front de. C'est un front pour les poteaux, quoi. C'était un petit peu comme New York. Donc ils continuent, mais ils ont du mal. Donc il semblerait, donc. Hier, j'ai pas fait de vidéo, mais bon, j'étais occupé ailleurs. Mais il semblerait, donc les 300 000 chefs d'accusation que je vous disais de Durham, qui, entre guillemets, dans chaque chef d'accusation, il y a plusieurs personnes qui sont dedans. Donc apparemment, ces chefs d'accusation, ils toucheraient les chiffonniers. Les chiffonniers un petit peu plus haut. Donc apparemment, ce qui est dit, c'est qu'en fait, les 10 jours, on dit 10 jours d'obscurité, en fait, c'était pas l'informatique, c'était pendant 10 jours, ils allaient arrêter les gens. Alors. Vous allez me dire, ouais, mais c'est aux États-Unis. Non, non, non. Les chefs d'accusation, c'est aussi à travers le monde. C'est pour des citoyens d'autres pays. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les avions, ils sont un petit peu dans l'air beaucoup. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Donc apparemment, pendant 10 jours, là, ça s'est terminé. Et pendant 10 jours, ils auraient été pas mal de gens comme ça. Après, ce que je voudrais aussi, ce que je voudrais attirer votre attention. Ça aurait pu être contrôle social. Ça pourrait être une vidéo qui s'appelle contrôle social, mais ça ne sera pas une vidéo qui va s'appeler contrôle social. Il y a un rappeur qui a fait un concert. Pour rentrer dans le concert, il fallait être doublement injecté. Et apparemment, il y a 8 personnes qui ont passé l'arme à gauche. Mais il semblerait que d'autres sources disent qu'il y ait plus de personnes. Parce qu'apparemment, ils ont, entre guillemets, comment ça s'appelle? Mis en action la 5G, apparemment. Je dis pas. Je dis ça, mais je dis rien. Apparemment, c'est ce qu'ils disent. Et donc, entre guillemets, il semblerait que c'était en fait un hommage à l'ange déchu. C'était une cérémonie pour l'ange déchu. À comprendre, si vous avez du mal à comprendre. Ok. Comme je vous dis, si vous aimez la musique, vous risquez d'avoir des petites surprises. À demi comme moi. Mon problème, c'est que j'ai jamais, entre guillemets, il y a des gens que j'ai admirés.
Mais jamais à un point de fanatisme, ouais, d'être fanatique, quoi. Moi, ça percutait pas. C'est un petit peu comme la religion. Ça n'a jamais trop percuté. Mais maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi. Inconsciemment, j'étais quelque part guidée. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Donc, ouais. Donc, encore une fois, moi, je dis politiquement en France, ok, c'est toujours les mêmes, quoi. Alors, à moins que on se retrouve avec un même qui les mêmes, un mais un qui est piloté, quoi. Mais je vois mal comment, une fois que la vérité va sortir, je vois mal comment ça va être possible. Parce que les gens, il faut avoir le sang chaud. Alors, vous avez peut-être remarqué, si vous allez sur Internet ou si vous lisez la presse écrite, que on parle énormément de crimes contre les plus jeunes. Pédocriminalité. C'est pas par hasard. Première industrie au monde. Sur toutes ces formes. Vous allez voir que vous allez découvrir que ça a plusieurs formes. Ça va peut-être vous rendre malade pendant quelques jours. Tout ce que je peux dire. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'ai fait le tour. En fait, j'avais dit que c'était une vidéo rapide. Et donc là, ce soir, on devrait, dans les prochaines heures, on devrait découvrir le script du président-directeur général, quoi, ce qu'il a à nous dire. Rien de bien intéressant, j'en suis sûr. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.